Et salut à tous les gars, c'est Ruyan et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Donc je ne sais l'épisode, ouais, j'aurais même plus, je suis même plus du tout à quel épisode on est. Donc dans cet épisode les gars, on a un match face au FC Lorient à domicile. Ah ouais, je me rappelle qu'on avait, ouais, c'est compliqué parce que voilà, je pense que beaucoup de joueurs ont du temps de jeu parce qu'on a très peu de jours de repos. Ensuite, on joue Bastia à l'extérieur et ensuite on joue un match en Ligue des Champions face au FC Séville, très important parce qu'on avait perdu le premier match face à Tottenham et on joue encore une fois à l'extérieur. Enfin, je sais plus si on avait joué à l'extérieur à domicile face à Tottenham. C'est voilà, on joue deux premiers matchs Tottenham-Séville à l'extérieur, c'est pas des matchs évidents. Donc voilà, il faudra prendre des points, autrement ça va être compliqué en Ligue des Champions. Donc, on va partir. Ouais, donc je mets quelle équipe ici je mets l'équipe A, ici je mets l'équipe B, et ici, ok. Bon, là j'essaie de mettre l'équipe type. Ah mais non, il y a déjà eu l'équipe type au Vélodrome. Enfin, au pire, je mets l'équipe type fatiguée parce que c'est important que j'ai l'équipe type pour moi, je suis des champions. Donc, on va enlever juste la pluie parce que nique sa mère, quoi, faut pas déconner. Hop, nickel. Gestion d'équipe. Alors. On met Goulam. Perrin. Bon, on est au corps. Moi, le cul, ça c'est pas important, mais le terrain. On laisse Sanson, Matuidi. Dembélé à droite, Camano en pointe. Berich et Origi après en pointe. Bon, ça peut le faire quand même. On va laisser comme ça. Pléa, bah non, des joueurs que je veux absolument pas faire en jouer. Le reste, bah c'est bon. Autrement, qui je peux mettre non, moi bah c'est bon. Ok, bah parfait, les gars. Donc, on va partir, les gars, pour le premier match de cette vidéo. Ouais, bah voilà. Let's go, à domicile face à Lorient, sur toute première version de ce match. Vous avez l'habitude, toujours la même chose avec moi. C'est parti, let's go! Voilà, c'était abusé le let's go. On est la meilleure défense et c'est cool. On s'est pris seulement 2 buts en 6 matchs. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement. C'est qu'on a une bonne défense. Les Cocor, franchement, cette année, il est meilleur. Donc voilà, Perrin toujours au top. Pogba, Hernandez qui augmente au fur et à mesure, donc voilà, sauf qu'on a une bonne défense avec Goulam latéral gauche qui fait du bien. Fofana. Oh merde, je me suis fait avoir. Attention avec le golf. Le golf, il aurait pas dû faire du football, il aurait dû faire du golf. C'était pourri. Ah non! Non, non, tire, tire, tire. Oh, plus fort, plus fort. Ah, pas là. Oh putain. C'était tellement. Wow, c'était chaud. On s'en sort bien, et eux contre Ekberic. Avec Yamano, avec Berich de retour. Allez, fais-moi, tu tiens. On remet derrière avec Sanson. Dembélé, me fuis pas. C'est hors jeu. Ah, Malcu, on va remettre. Avec Sanson. Oh, Matuidi. Matuidi, on va se trouver une frappe du gauche. C'était bien joué. Magnifique frappe du numéro 7, Blaisou. Ah, Blaisou, c'est mon pote, tu vois, tranquille. Ah, belle frappe, franchement. Elle partait très très bien, dommage. Elle en joue vite. Avec Dembélé. Ouais, bon. C'était de la merde. C'était de la merde. On a une deuxième chance quand même. On va essayer de la mettre dans la boîte. On a peut-être plus de chance. Avec Sanson. Ouais, dommage, ça va sortir à mon avis. Plutôt moyen. Plutôt moyen en tam, on va dire. Même si Laurent n'a pas. Si, si, c'est vrai que Laurent a une grosse occasion. Non, parce que nous, ça qu'on n'est pas du tout dangereux par la frappe contrée de Dembélé. Ah si, grosse frappe de Matuidi quand même, faut pas l'oublier. On peut avoir le ballon, s'il te plaît? Frère. Frère, je peux avoir le ballon. J'ai dit, je. Ouais, non, par contre, là, tu niques ta race. Oh! Toi aussi, il a pas bougé. Belle action de Lorient. On a du mal. Le match est vraiment équilibré. Avec une belle équipe de Lorient qui représente pas la réalité parce que Lorient, en début de championnat, c'est un peu de la grosse merde. J'espère qu'ils vont se ressaisir. Enfin, bref, c'est un au-dessus. Berich, t'es sérieux? Viens pas me gêner avec Matuidi. Le Blaisou, il partait là. Ouais, finalement, non, on va rejoindre l'axe. Sanson, oh, il est parti, Résus. Oh la passe, Résus. Résus, tu finis. C'est pas terminé. Mais non, mais wesh. C'est quoi ça? Wesh, attends, c'est une grosse blague ça. Putain, non, mais déjà il doit la mettre. Bon, après, il est sur pied gauche, ok, mais là il doit finir. Déjà, il peut la mettre sans tacler, pourquoi il tacle? Et si tu tacles, fais un bon truc. Vas-y, même Brandao l'aurait mis, frère. T'as pas le droit. On va dans l'axe. Avec Sanson. Sanson, on va essayer de retrouver Berich. Berich, on va essayer de se mettre sur le poteau de frappe.
L'enroulé de Verich. Oh, l'ouverture du score. Oh, magnifique. Robert Verich. Et le buteur qui est là, mon gars. Et je pensais pas, on sent vraiment qu'il y a vraiment une grosse solution Verich. Le plat du pied qui passe et tout le monde est content. Bien joué, belle action, Sanson encore bien joué. Et Verich, là, il tient physiquement l'un qui était derrière lui, puis là il l'a enroulé. Tranquillement, qui vient tromper Benjamin Lecomte. Ça fait 1-0 les gars, c'est son premier but. Deuxième. Quatre... Ah oui, c'est pour ça que je rappelle plus. Quatrième but en 6 matchs. Verich fait vraiment un gros début de saison, il me fait plaisir. Donc c'est parfait les gars. On continue comme ça, on aura peut-être des occasions de contre. Lorient va devoir jouer plus haut, donc il y a moyen de foutre le deuxième but qui, je pense, tuerait le match. Maintenant, on va vouloir tenir, donc on est reparti les gars. Attention à la réaction de Lorient dès le début. Ah là, non, j'ai mal joué. C'était chaud là, au corps qu'a failli marquer un but contre son... Ah, les corners. Mieux. Et Berich, bien joué. Toujours bon Berich hein, dans ce genre de domaine. Omopé. On place pour... Oui, Dembélé. Dembélé. On s'arrête. On se met sur pied. Oh le bâtard, l'attaque est magnifique. Oh, Piatti. Oh, penalty! Oh oui! Oh, c'est gentil! Oh, c'est gentil! Ah, ça, oui, je t'aime bien, l'arbitre. Là, il fait pas chaud. Parce que là, il tacle. Ok, il est pas mis dans la lentille, il n'y a pas de carton. Ok, voilà, on va voir la lentille. J'ai l'impression qu'il. Ouais, bien sûr, il tacle le ballon, il n'y a absolument pas faute. Mais. Je merci, il me le donne, merci. Et Robert Berich, il va essayer de le finir. Robert Berich, le doublé! Oui! Le doublé. Ouais, je casse-toi, pousse-toi. Laisse-moi célébrer mon but, Nick Taras. Mon conjoint devant mon conjoint, on s'élève et bim les gars, 2-0. En deuxième mi-temps, on a vraiment su faire la différence. Bien joué Robert. Le penalty, son cinquième but en 6 matchs. C'est Robert Rowandowski. T'as compris voilà, bref, il fait un peu penser à Lewandowski ça. Lewandowski, il est pas super rapide, mais il a une grosse finition. Il a 3 étoiles comme Lewandowski. Non, il y a peut-être 2. Il y a une petite faute. Et voilà, il fait un peu pour son Lewandowski. Bon, Lewandowski du pauvre, pas déconner non plus. Alors, on va peut-être passer en défensif. Par. Ah. Ah ouais, là, non. Par, c'était pas terminé. Camano. Camano. Oh oui. Camano. Le râteau. Camano, fission. Oh, c'est contré. Putain, on les domine de fou. Hein. En deuxième mi-temps, vraiment, on a vraiment pris l'ascendant. C'est incroyable. Allez, sur le corner. Et Captain Perrin. Oh dommage, la tête dévissée. On aura vraiment. Ah, y'a un ok, non, c'était pas dévissé, c'est juste contré. Mathieu dit pour. Les deux corners, où il est tout seul. Oh là là, c'est pas terminé avec Mopé. L'enroulé. Oh là là. Beaucoup d'occasions, franchement, c'est une pluie d'occasions qui y a un deuxième mi-temps. Pourquoi je fais un accent. Je sais plus. On a dû faire 6 tirs. Enfin, d'après. C'est peu que. Non, le Real s'est fait égaliser. Oh les fils de pute. Wesh, ils sont sérieux le Real. Putain, bref. Niki va sur Real Madrid. 8,6 Berich, forcément il marque un doublé, il a été énorme. On a fait un très très bon deuxième mi-temps, premier mi-temps moyen. Mais deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo. Et ouais. Putain, le Real, ils sont sérieux quoi. Vas-y, je vais voir combien de temps il reste. J'espère que ça va pas quitter l'enregistrement, enfin, le son. Merci boss, de rien mon pote. Donc au classement les gars, on est 3ème, donc on est bon. On est en point de Bordeaux, qui est tout simplement premier. Oh, mais ça, il reste du temps, tranquille. Il reste 20 minutes, un peu plus même. Donc, on va maintenant jouer match face à Bastia, on va devoir faire tourner. Au corps, on a Jean-Plan Bonheur, et bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais il faut qu'il fasse attention à pas se noyer. donc, c'est dur d'enchaîner, hein. Franchement, j'ai du mal à enchaîner après des vlogs aussi pourris. Tu... C'est gênant pour moi. Donc Théophile Catherine, Paloma oui, Pogba Hernandez, Ali et Senes, Molo, Pléa et ah ouais mais j'ai fait jouer tout le monde. J'aurais pas dû faire jouer Mbappé en fait. Vas-y Bamba, on va tester Bamba. On va tester Bamba. Et autrement bon on est bon. Donc on est parti les gars pour ce match en espérant une victoire à l'extérieur. Ouais non par contre. C'est mort la pluie. Je veux pas. J'aime bien le beau temps. Voilà. Donc on est parti les gars pour deuxième achat de vidéo. Je compte sur toi Molo. Je sens qu'il va être chaud. C'est parti. Claire sur le banc. Il y a Brandao en attaque mon gars. Brandao au Sadio Dalo. Ancien Lorientais mon gars. Bim. Ancien René aussi.
Et bon, il a pas aimé ma chère Bretagne, alors il est reparti au chaud en Corse. Elle domine Catherine. Oh oui, bien joué! La puissance! La puissance! Ah merde, j'ai pas trop de solution. Oh oui, Tanan, non. Oui. Ado, Brando. Oh, Brando! Brando, la légende! Oh, attention! Brando, la vitesse! Ouais, il me fait un tout droit! Il me fait un tout droit, Brando, calme-toi, Brando! Ouais, il centre. Oh, attention quand même! Attention avec Cahuzac! Cahuzac, il a le champ chaud, lui. Attention, Brando! Il était pas loin, hein! La légende Brando, mon gars. Eh, Tanan! T'es pas assez bien joué! Un joueur à tout! Allez, cours! Il te rattrape pas, marrant, c'est bon, c'est un papy. Voilà, allez, putain, bien joué, allez, autre version, c'est magnifique, j'aime bien ça. On enchaîne pas mal sur Brando, allez, mollo. Mollo, il est en forme. Bon, il est en forme ces derniers temps. On passe entre les deux. Mollo, tu finis! Oui! Et l'ouverture du score, les gars! 43e minute de jeu, Johan Mollo. Tu vois pourquoi je porte accent pourri? Enfin, accent. Bref, Mollo, il est vraiment confiance, franchement. C'est plus un. Il fait plus plaisir que Dembélé, que j'ai rendu mal. Son premier but en Ligue 1. Premier? C'est vrai qu'il est déjà marqué, mais. Non, mais il est très souvent très bon en jeu, mais bon, il marque pas ce fois-là, il a pas vraiment une grosse finition. Mais voilà, il provoque beaucoup et j'aime beaucoup ce joueur. Dommage qu'en vrai, il va quitter Saint-Étienne, ou s'il quitte pas, bah, il va faire que cirer le banc. Donc, en plus, juste avant la mi-temps, que demande le peuple? Brandao joue son côté parce qu'avec sa vitesse, il provoque! Brandao, il est passé, on le rattrape le plus! Oh, c'est bon, ça passe au-dessus. C'est bon, la mi-temps, les gars. Donc, juste avant la mi-temps, on a réussi à marquer, ça fait plaisir. Ça fait la plaisir. Bamba qu'on n'a pas du tout vu. Ouais, bon, j'avoue qu'on a la chatte. On a la chatte, mais c'est ce qu'il fait. Et voilà, on gère tranquillement, sans forcer de fou. On mène. Donc c'est cool. Donc, c'est la fin du match entre Metz et Angers. Donc, Metz qui gagne 2-0. Angers, c'est la galère. Hop, hop. Ah, merde, ok, c'est reparti. Donc, on se retrouve, les gars, pas meilleur sur la deuxième mi-temps. On va essayer de tenir. Et de, en contre, essayer de tuer le match. Mostefa qui remplace Cahuzac. Mostefa, ancien breton, ancien orienté. Aussi en Ajaccien aussi. D'accord, s'il manquait 3, à mon avis. Attention! C'est bon. La fin de match commence à être dure. Je sens que. Il faudrait être fort, mais j'aimerais bien le 2-0 là. Vraiment, on ferait plaisir parce que là, on souffre. Mais il y a moyen de foutre des contres. Hein. Il y a moyen de, en contre de tuer le match avec Bamba. Ah, il est cramé de chez cramé, Bamba. Mais c'est pas grave. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Bamba. La grosse frappe, le poteau. Oh là là, on n'a pas de chance. Comme Pléa. Non, c'était pas. Non, c'était Résus dans le match. Il fait un gros loupé aussi, le poteau. Après, c'était revenu sur lui, mais là, c'est pas revenu sur Bamba. Bon, je m'en doutais hein, parce que bon, il a pas de grosse mission. La parente c'est chaud. La parente c'est chaud. La sortie du gardien. Bien joué, Dragoski. La sortie déterminante sur Bamou. Ah, il est là-bas, c'est lui. Ok. Surréaliste. Oh, il y a plus de gardien par contre. Il y a plus de gardien. Oh là là, il y a plus de gardien. Oh, il y a plus de gardien, Molo. Vas-y, Molo. Et l'arbitre fait pas le bâtard. L'arbitre fait pas le bâtard. Molo. Oh oui, Molo. Non, mais je me fais un talonnade, un truc, wesh. Ouais, bon, tant pis. 2-0, les gars. Et voilà, Yoann Molo, tranquillement, le petit doublé. Ça fait plaisir. Voilà, il n'y avait plus de gardien, donc forcément, quand il n'y a plus de gardien, c'est plus simple. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc voilà, 2-0. Voilà, juste avant la mi-temps, le premier but, et le deuxième, juste avant la fin du match. C'est parfait, on va dire. Victoire, tranquillement, en gérant. Donc voilà. Bien joué, les gars. Voilà. Ouais, voilà, 5-6. Ouais. On va dire c'est une victoire en maîtrisant avec voilà, on a l'équipe B, on a un match important qui vient en 2 jours. On a maîtrisé le match, on n'a pas fait le match de notre vie, c'est clair. Mais voilà, on a fait le match qu'il fallait pour remporter ce match. Donc là par contre, on a un match très important en Ligue des Champions, il faut le gagner. Alors il faut bah, un nul, ça peut passer, tout dépend du mini-match, mais si on joue comme face au Tottenham, on a largement dominé, on se fait baiser, ça me ferait chier. Ouais. Donc là, il faut vraiment faire un grand match. Parce que le chiffre c'est des deuxièmes. Et voilà, là si on. Bah après ça qu'on a double confrontation face à Krasnodar. Donc si on fait un nul, c'est pas. Voilà. Krasnodar, faudra prendre les 6 points. C'est clair, on n'aura pas le droit d'erreur face à cette équipe. Surtout si on gagne pas là. Donc, on est parti pour ce match à l'extérieur.
Donc pour l'instant, on n'a toujours pas joué un match à domicile avec des champions. On va jouer on joue comme ça. Maillot d'Europa League, on va dire. Alors, bah, on met Dembélé, on n'a pas le choix. Même si j'aurais bien voulu mettre Molo, mais bon, il est trop fatigué. Malcuit qui apportera sa vitesse. Pierre encore. Même si on n'a pas forcément confiance de fou. Samson, Matuidi, ça me plaît. À droite, Kamara. Oh, plutôt inversé, parce que bon, bref. Même si en fait, Dembélé est libre des deux. On va mettre Berić avec Fréjus, ouais. Même si Luke Berić il est en forme, il me manque le deuxième attaquant en forme. Pour ça, il n'y a personne qui est. Bref. Ah, Dabo, j'ai même pas fait jouer Dabo. Allez, on fait. Non, Samson, il est en forme. Peut-être qu'on fera rentrer. Bref, les gars, on est parti, les gars, pour l'immersion de ce match. Let's go, il faut gagner face à. Je veux dire, Blachkovski. À Immobile, il me semble en face. Donc, c'est parti, les gars. Allez, oh Dembélé. Il est bien placé, Dembélé. Oh Dembélé. T'as jamais marqué, c'est bon moment. Oh là là, allez! Mais non, tu fais. Mais j'ai des convictions un petit peu. Ouais, c'est pas grave, bien joué. Un petit corner, Blaisou. Oh! C'était qui il a retourné? Il a fait me faire kiffer lui. Et Résus. On va tenter un long shot de Résus! Et c'est pas terminé! Oh là là, Dembélé, dommage. Allez, Dembélé, je crois en toi dans ce match. Tu peux faire des bonnes choses. Des bonnes choses, on va pas demander non plus trop demander, mais des bonnes choses, ça peut déjà pas être pas mal. Putain, la retournée, il a fait me faire kiffer, mais j'ai l'impression que c'était le. Allez, Gabriel. Oh oui, t'es passé. T'es passé, Kamano. Oh, tu balances. Oh, pour Berić. Oh, le bâtard. Oh oui. Oh non. Putain, je suis dégoûté. J'aurais dit que j'avais un truc mieux à faire, mais je sais pas c'était qui. Oh oui. Oh, Berić. Oh, dommage. Putain, s'il aurait pu choper Berić aussi, là, en taclant, ça m'aurait bien arrangé. Allez, on s'est bien réveillé, les gars. Un peu dommage compliqué, mais oh, bien joué, Samson. On va tenter un long shot de Samson. Oh, mais c'est pas possible. Mais sérieusement, c'était tellement beau. En fait, je voulais le mettre de côté opposé. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, bah, c'est mort. Finalement, j'ai pas eu tout le temps de lui mettre, mais finalement, c'est bien joué. C'est immobilier. Viens, s'il te plaît. Ah non, c'est passé. Non, c'est bon. Non, Matuidi a pu réussir à l'avoir. Oh là là, attention. Nzonzi. Dibora, putain, merde. Oh putain, merde, Dibora. Moi aussi, c'est sa troisième parade. Tout simplement énormissime. Merci mon pote. Allez, Dembélé. Mets-le un peu contre, s'il te plaît. Je peux revenir sur toi, s'il vous plaît. Oh putain, c'est bon. Parce qu'il est impeccable. Oh oui. Oh Rizus. Et Berić. Oh bien joué Berić. J'ai Berić, c'est qui? Ah mais c'est Samson, c'est pas plus rapide. C'est pas plus rapide, mais vas-y. Allez, Samson. La frappe. Oh là là, pas possible. Et franchement, c'est vraiment un match kiffant. Ça, c'est un match kiffant que je kiffe. Ça va dans tous les sens, des occasions partout. C'est vraiment un très très bon match. En espérant que ça puisse finir en notre faveur. Oh! Il y a corner, les gars. Bon, allez, on va centrer. Blaise Matuidi. Ouais, non. Ça revient sur Perrin. Ça revient sur Perrin. Allez, pourquoi pas Perrin? Ouais, merde. Samson tête d'en dessous. Non. Allez. Il va faire une boulette, il va faire une boulette, Ruminas. Début le pressing. Allez, oh putain, c'est les bâtards. J'allais dire les enculés. Allez, bref. Krasnodar fait 1-1 face au Tottenham, c'est un bon résultat, même si on. Ouais. Ça peut rester comme ça, c'est parfait. 7. Ouais. Franchement, il domine. Franchement, il domine. Enfin, c'est. Les trois plus belles occasions, c'est quand même Séville. Hein. Mais on a fait pas mal de frappes. Mais après, voilà, on a fait des frappes sans danger non plus. Mais franchement, c'est vraiment un match très très agréable à jouer. Franchement, ça parle dans tous les sens. C'est cool à jouer, c'est un vrai Magic Champion que je kiffe. J'espère que ça tombe à notre faveur, allez Dembélé. Oh non, pourquoi il a pas fait le râteau? Dembélé, il y a du mieux là. Il serait temps qu'il y ait un peu de mieux, tu vois, vu le prix que je t'ai payé, mais. Mais bon. Et s'il vous plaît, là on domine, on mérite de gagner, on s'est fait baiser face à Tottenham déjà, alors. On va bien ne pas faire avoir. Aurésus! Aurésus! Le contrôle était magnifique, l'enchaînement et le défenseur il a vraiment cru. Enfin, il a pas une bonne finition, ça se voit. Je veux bien que ça passe ton bon pied, mais là tu dois finir. Un buteur il doit finir. Putain, on a. Le problème c'est qu'on joue bien, etc. Mais on manque de réalisme et en Ligue des Champions, face à des équipes qui sont supérieures à nous, bah, et qui ont surtout d'expérience dans ce genre de. Voilà, dans les coupes. Bon, après, Séville c'est plus d'expérience en Europa League. Mais voilà, s'ils ont l'expérience. Et non, j'avoue que dans FIFA ça n'a rien à voir, mais
Et que trop fermé avec l'expérience et tout. En vrai, oui, mais en FIFA, il n'y a pas l'expérience qui joue. C'est le talent. Et le talent, là, on l'a, mais pas trop parce qu'on n'est pas réaliste. Berich. Berich, mon sauveur. Berich, mon sauveur. Oh là là, dommage, allez. Victoire. Il n'y a pas hors-jeu. Berich. Berich. Oh le bâtard. Moi, j'avais sans doute marqué sur le bon pied. C'est vraiment des enculés. Parce qu'en fait, il a sifflé assez tard. Moi, j'ai trop cru, là. J'ai l'impression qu'on marquera pas. Donc on va remettre en défensif parce que là on souffre. Quand on sait. Oh là là, mais Jorgoski, simplement non. Et quand on ne sait pas gagner, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est les phrases de tous les commentateurs sportifs, de tous les entraîneurs, je veux dire, qui la sortent. Et c'est vrai. Allez, Dembélé. Voilà, c'est ça que je veux voir. Aurélius. Aurélius, la passe est bonne. La passe est bonne. Aurélius, tu dois me rattraper tout à l'heure. Putain. Attends, on va analyser ça. Parce que il faut que je me défende aussi. Parce que là, j'ai fait de la merde. Mais là, regardez. Regardez à gauche. C'est qui? C'est Berić. Ouais, on va dire que c'est Berić. Ouais, c'est Berić. Il était bien placé. Donc là, je voulais lui faire la passe. Je voulais éliminer le défenseur. Le crochet. Et là, faire la passe. Sauf qu'il y a le fils de pute Trimounas qui est revenu. Donc je pouvais pas faire la passe. Donc, et bah, après, je sais pas quoi faire. Et puis, nique sa mère. Voilà. J'ai le droit de me défendre aussi. Hein. C'est dommage parce que c'est la dernière action du match pour moi. Il passe pas, il passe pas, il passe pas encore. Ouais, il va s'enfermer. Oh, le centre, c'est bon. Ah, le bâtard. Bon, bah voilà, c'est terminé. On n'aura toujours pas marqué un seul but en Ligue des Champions. Mais un nul. Non, pas décevant, parce qu'il y a franchement une très bonne chose comme face à Tottenham. Mais voilà, on méritait de gagner. Et à chaque fois, on n'est pas récompensé. C'est vraiment dommage. Donc, je suis déçu de ce côté-là. Mais. Oh putain, j'ai badé. C'est comme. J'ai parié Real. Ça marquait que je vais 2-1. Je vends le match, ça marque 1-1. J'ai vraiment badé. Finalement, il y a 2-1. C'est le temps additionnel. 93e minute de jeu. J'espère que ça va passer. Donc voilà. Épisode plutôt sympathique. Hein, 2 victoires et un match nul en Ligue des Champions. Donc en championnat, ça se passe toujours très très bien. Franchement, on a fait 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, 12 buts marqués. Bon, on n'est pas la meilleure attaque, mais on a marqué pas mal de buts, hein, ça va. Mais seulement 2 buts encaissés, c'est en 8 matchs, c'est quand même pas mal. Différence de buts de plus 10, c'est énorme, et c'est qui dernier? Ouais, pas de surprise. Ok, j'ai vite fait voir les classements des buteurs, avec Berich qui est pas mal. Fekir, premier, Ben Yedder, Berich qui a 5 buts. Donc c'est bien, après on retrouve pas comme ça qu'à part Berich, t'en as mis 12 buts. Sur les 12, il y en a 5 qui ont mis par Berich, il reste. Molo, 2 passes D. 2 passes D, 2 buts, bien joué. Player, 2 passes D. Sanson, 2 passes D, il est pas mal à 2 passes D. Et forcément Dragoski, déjà 6 clean sheets. Simplement, il m'a vraiment fait des. Il est vraiment énorme, il fait des parades vraiment sympathiques. Je n'aurais pas dit de te voir avant Zurufier. On va faire un petit rapport d'équipe avant la fin de cette vidéo, les gars. Dragoski, 4 ans de jeune à 19 ans. Excellent, voilà, tout va bien pour lui. Bon, Mesonal qui a bon petit potentiel, hein, mais. Voilà, c'est pas un suivre quoi. 24 plus 1, Malcu plus 1, ok, bon, on s'en fout un petit peu. Hernandez plus 1, un bon petit remplaçant comme je les aime. Le bon stat, hein, voilà. Pogba plus 1, franchement, il a vraiment de très grosses stats. Enfin, il est pas vraiment un titulaire indiscutable, mais donc, plutôt sympa. Okor, il est en mauvaise forme, dommage parce qu'il en est bien, donc j'espère qu'il va. 90 de force, 90 de détente. Plutôt sympathique, Marie qu'il est petit, hein. Mais enfin, pas de façon. Karamoko, lui, est vraiment physique, 90 de force. Boum, 1m95, mon gars, pour le bouger. Tu peux y aller. Perrin, il est pas en forme, malheureusement. Poloma, Goulam, très très bon. Moi, tu dis, franchement, il fait vraiment un très très bon match. Ok, mon porte vient de s'éteindre.